C'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano et on est là pour une vidéo sur Fire Emblem Shadows of Valentia. Echoes. Enfin, Fire Emblem Echoes, Shadows of Valentia. Vu que c'est écrit comme ça, je me suis trompé d'ordre, j'en suis désolé. Donc il va sortir le 19, mais évidemment, comme beaucoup de jeux, voire quasiment tous, quand un jeu sort à une date, on peut toujours l'avoir quelques jours avant, il suffit de réserver le jeu, d'appeler, il y a plein de manières d'avoir ça, d'avoir les jeux plus tôt. Moi pour le coup, hein, j'ai eu la Micromania pour la modique somme de 0€, c'est ça ce qui est bien, c'est que je voudrais remercier ma famille hein, pour mon anniversaire qui m'ont donné une carte cadeau Micromania qui m'a servi à acheter ce jeu. Voilà, au moins ça c'est dit. Puis voilà, donc on va se lancer dans cette aventure Fire Emblem. Alors il faut savoir avant de lancer que je suis une grosse dope dans les Fire Emblem. Dope, j'ai commencé avec le Awakening, mais bien que j'ai vu des vidéos sur les versions GBA d'un certain Brancard qui faisait Walkthrough à l'époque, chez les Walkthrough Makers, si vous êtes un peu vieux, peut-être que vous connaissez déjà un petit peu ce groupe-là, c'est un des premiers groupes à faire vraiment des let's play en fait, français, où il y avait des concurrents aussi, ça s'appelait Let's Frap, ou je sais plus quoi, c'était quoi le nom, bref. Et eux, voilà, c'était une petite communauté, et j'ai découvert Brancard, qui avait fait des vidéos sur Fire Emblem, donc les versions GBA, Game Advance, ce qui fait que ça m'a donné envie quand même de jouer Fire Emblem en général. Et il faut dire une chose, Awakening, j'ai bien aimé, sauf le côté plan plan cucu, c'est très bien. Et j'ai pas du tout aimé, j'ai à peine au chapitre 10 tellement j'ai aucune envie de jouer. C'est à Fates, en tout cas la version héritage. Je n'y arrive pas, j'adhère pas aux personnages qui sont présentés, c'est un truc de malade. Voilà. Et au scénario en lui-même. Voilà, j'ai pas encore fait pas héritage et conquête, ni le troisième. Voilà. Et donc on va se lancer sur Fire Emblem Echoes, qui paraît change littéralement avec ce qu'on connaît habituellement, enfin change. C'est toujours un jeu de tactique, mais il paraît qu'il y a beaucoup de changements dans la manière d'appréhender les combats, ou plutôt la manière de les de déclencher tout ça, mais on va voir. On va lancer tout de suite Fire Emblem, on va regarder l'introduction, tout ça, hein, évidemment, comme d'habitude, comme dans tous les jeux. Donc actuellement je remercie ceux qui sont là, Nazo, Kada et Squel 12. Est-ce qu'il y a une troisième qui va apparaître? Non. Là, je vous remercie d'être là. Situation de jeu nécessaire pour pouvoir commencer à jouer. Ok. T'étais pas obligé de me dire. Fais donc. Viens de voir, j'ai raté mes contours. Tant pis. On va créer. Alors, j'espère que les créations de données, ça va prendre trop de place. Non, ça va. Allez, c'est parti. Once upon a time, there was a god named Duma and a goddess named Mila. Who fought each other bitterly for an age. Hey, why did Mila and Duma have to fight so much? Couldn't they just say they were sorry? Let's promise we'll never end up like that, okay? Yeah, nothing will ever come between us. C'est toujours les frères et sœurs là ou c'est autre chose? Parce que ça fait bizarre quand même. Non bon. Oula! On dirait Asura de Fates mais en méchante. Enfin, en tout cas la tête. Thank you.
Ok, bon, c'est une scène d'intro, j'ai pas tout compris. Je suis trop mignon, ils courent tous les deux. J'appuie. Extra, nouvelle partie. C'est bizarre les menus, parce qu'en fait, le extra, on le voit très très peu. Alors, je sais que... Non, c'est bizarre comme tout. La 3D donne quoi? Dégueulasse, ok. Attention, alors pas 3D. 3D, pas 3D. 3D, pas 3D. Allez, c'est parti, nouvelle partie. Alors, je vais jouer en normal, parce que je suis une grosse dope. Par contre, je me joue bien sûr en classique. Faut pas déconner. On va se faire une notation de spot pass. Et donner un bonus. Pas sûr que je puisse le faire encore. On va activer, soyons fous. Non. Non, je ne veux pas donner des informations personnelles. Pas vraiment personnelles, mais techniques. Flotsim. En 402 de l'ère de Valencia. On va dire Valencia. Je sais pas vraiment comment ça se dit. C'est ce qu'on a vu à l'intro. Ah, c'est ce qu'on a vu à l'intro, d'accord. Faites. Putain, c'est dégueulasse. Gods, non. Les voix anglaises. Qu'il faut que je les enlève. Don't leave me, Celica. You can't. Celica. Celica, say something, please! Celica! Le mec, il a serre contre lui, il enfonce encore plus l'épée profondément. C'est pas top. C'est qu'un rêve. Oh là, Galme et Celica. Ah, mais c'est en 394, donc ça s'est passé avant. Je suis très très fort hein, de savoir que ça se passe avant. Où est-il passé? What's the matter, Faye? Don't tell me you're after him again. Oh, hey Gray. Say, have you seen Ulm? I can't find him anywhere. Ulm? Don't waste your time looking for that guy. Cliff. Wait, why not? He and Celica went off for a stroll in the woods. I saw them leave. He's with Celica again? Exactly, again? I mean, Celica just moved to Rand Village, right? Best to know we're so easily replaced. He's not replacing us. Celica's his cousin. Of course they're gonna be close. I hate to break it to you, Faye. Huh? Sir Meissen only has one grandkid, and that's Ulm. Celica is his ward, Mother told me. They're not related by blood. Cliff's moss spouting gossip? I don't believe it. Still, I like where the story is going. Celica and her dark, unspeakable past. Stop that, would you? So does this mean... I mean... Je peux pas lire les textes, c'est compliqué, ça va vite. C'est un peu compliqué. L'épouser? On parle bien de la même chose, là. Voilà, vous n'allez jamais le croire. Salut Tobin, que se passe-t-il? Il y a un chevalier dans la forêt, un vrai chevalier du château. De toute façon, les voix sont tellement dégueulasses. Venez, on doit aller voir ça! Mais moi, je fais mieux. Pourquoi un chevalier viendrait ici? C'est un amateur de purin, c'est ça? Je te suis, ça pourrait être le dernier chevalier qu'on voit avant des années. Ok, Faye, vous venez? Oui! Attendez-moi! Vous allez trop vite! Oh! Viens ici, il faut que tu vois ça. Ok! Se déplacer avec. Au revoir! Au revoir, je ne veux pas te parler. Un mur invisible, ça commence bien. Je suis Link de The Breath of the Wild. Yeah, ouais! Non, bah ça manque d'animation quand même là. C'est pas grave. C'est un remake. Qu'est-ce qu'il y a, Celica? Tu as trouvé quelque chose? Regarde, j'ai fait une couronne de fleurs. Vas-y, mets-la! Non, merci. Je suis sûr qu'elle t'irait à ravir.
Je vois surtout l'air stupide, un garçon ne porte pas de couronne de fleurs. Eh, ma couronne n'est pas stupide. Ça prendra du temps de la faire, connard. Tant pis pour toi, puisque c'est comme ça, je le donnerai à grand-père. Tu plaisantes, j'espère. Je suis sûr que grand-père apprécie les couronnes de fleurs viriles, lui. Très drôle. Je crois que j'ai pas besoin de faire celui-là. Tu imagines en train de le porter, à vous. De la porter. De le porter, le grand-père. Quelque chose attendait, quelque chose ne va pas. Le sourire que j'attendais. J'ai du mal ce soir. Ça va trop vite. Non, c'est juste que je suis content que tu ailles mieux, tout simplement. Quand tu arrives au village, tu avais l'air si triste. Et tu ne disais jamais rien. Grand-père me disait d'être gentil avec toi, mais je ne savais pas quoi faire. Tu t'en es très très bien sorti. Tout ce que tu m'as dit, toutes les fleurs que tu as cueillies pour moi, toutes les balades que nous avons faites ensemble dans la forêt, tout ça a beaucoup compté pour moi, Alm. Oh, mais je n'ai rien fait de spécial, pourtant. Je pense que si. Au début, je n'ai pas été très gentil avec toi et je le regrette. Tu veux dire quand tu m'as traité de goujat et de balourd? Ah oui, ça c'est de l'insulte, ouh. Oui bon, je me suis excusé. J'ai jamais eu d'amis du même âge que moi. Je pense que je n'étais pas habitué aux garçons dans ton genre. Mais je n'avais jamais rencontré une fille comme toi non plus, ne t'en fais pas. Dis, Alm. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Faut-il forcément une raison? C'est une très bonne question. N'ayant pas connu mes parents, je n'ai pas de frères et sœurs. Ah ça y est, voilà, allez, on y va. Grand-père m'a toujours interdit de quitter le village. C'est vrai que ça parle beaucoup. C'est une sorte de fenêtre vers un monde que je n'ai jamais pu explorer. Cette raison te convient ou... Nous avons la même marque. Donc une marque sur la droite, une marque sur la gauche. La main droite et la main gauche. Touchez-vous la main, voir si ça explose. Je me demande pourquoi nos marques sont si similaires. Parce qu'elles sont special. Elles prouvent que nous sommes destinés à être ensemble. Toujours. Oh, c'est mignon. Enfin, si tu n'as pas essayé qu'un balourd comme moi te fasse rire. C'est trop mignon quand même. Tu le penses vraiment? On sera toujours ensemble, toi et moi. Oui, je te le promets. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Oui. Bien sûr. Oh, ça parle beaucoup dans celui-là. Oh mon dieu. Ah. That was Faye. Is she in trouble? Lire c'est compliqué. Enfin, lire. Faire le doublage c'est compliqué. Looks like our luck's picked up, eh, Sir Slade? After days of the same old trees, such cherubic faces are welcome indeed. After all, where little brats play, oh putain, find a village, I say. Listen well, you whelps. My men and I, loyal knights in service to His Majesty King Lima IV, may the powers bless him in his name until the end of days, hereby command you to lead us to your miserable line of hovels, where you shall have the honor of dining us and otherwise providing all comforts. It shall be an evening to remember. So lead on, and make haste now. But we can't just... We'll get the scolding of our lives if we bring strangers to the village. Good Sir Knight, if I may. Our home is but a small village. To call it a line of hovels is too generous. We do not wish to offend you, and you are clearly deserving of so much more. Lui, il essaie de faire muse. Il va se faire tuer, peut-être. You, boy, have you an older sister? Me? I have two, actually. Oh putain. Oh putain. Oh là là. We'll take all the food and drink you can muster. And your sisters can serve it. Oh putain, ça fait flipper le mec là. But pig feet and horse piss, but so be it. I shall force it down if I must. God's cliff, shut your hole. Don't cry in front of him. But Gray, we should all be crying, Gray. We're not really gonna take him to the village, are we? Je sens mal ce truc. Hey, I don't like it either. If I knew the royal knights were such royal turds, I never would have
Enough chittering, little squirrels. I am not a patient man. If you do not wish to entertain us the one way, you can entertain us the other. Non. Perhaps we shall remove your tiny head. Ouais, c'est dégueulasse aussi au passage. J'ai peur pour autre chose. By one. You first, Billy. Don't worry, lass. I'll make a nice clean cut. No! Back off! How many wilts does this blasted village contain? Get away from my friends! You're not going to set one foot in our village! Oh putain! Is that so? Someone neglected to teach this mangy pup any manners. On va se faire démonter. You there, girl. Show me your face. Help! Oh, by the gods! Non, vous la touchez pas. Non. How you came to walk among these animals is beyond me. Regardless, you shall make a fine prize to take back to General Desai. Desai, donc ça dit. Ça dit Desai. Oh là. Get your hands off her. J'ai tapé. J'ai rien fait. C'est pas moi. You did not just punch a knight. You dare raise a hand to me. Le cutéreux. J'ai déjà entendu cette expression. Chevalier pédophile, je pensais que c'était ça au départ. Hein. Quand il a dit si je peux pas faire avec tes sœurs. The mother can't save you now, Pratt. Look out! Huh? Grandpapa? Grandpapa! My son, what are you doing in a backwater wasteland like? But I think I know. Now this is indeed good fortune. We never finished what we started in the flames that night. Je sais pas où je le sens mal pour le grand-papa. Pour le coup, I mustn't forget all my virtues after all. Children, run to the cemetery up ahead. Go on now. What? Why? What are you gonna do? Now, all of you, run! All right, come on, guys! Ça sent très mal ce combat. Ils sont trop mignons. Listen well, children. We will drive these ruffians away. Ok. You must follow my every command. Là va, Misen. Mason. You're serious, Grandpa? He's always serious. It's just that this time he's also crazy. We can't do this. Half a dozen children can't win against mounted knights. I want my mother. On fait de la peine. I want to go home. Enough. The only way you're going home is by fighting us if your life depends on it. Oh, Celica. Sir. I trust you to remember some of what I taught you with the sword. Okay. Now, clear the mind, steady the hand. Show me what you've learned. Only you can get yourselves through this. Are you ready? I want you to follow my every command. First, get yourselves to a safer position. C'est un peu fort le son du jeu là, je sais pas, j'ai un doute. Un truc qui est rigolo, c'est le design des personnages. Clairement, le design des personnages est assez rigolo, je trouve. Parce que... ça fait vraiment vieux jeu pour le coup, c'est un remake. Hein. Même s'il y a beaucoup de changements, j'imagine. Mais pour le coup, j'aime bien le design. Bon, par contre, j'ai du mal à reconnaître les personnages, je dois l'avouer. Et le fait que l'avatar, la tête du personnage est pas entier, bon, ça fait bizarre. Mais globalement, voilà, c'est assez intéressant. Appuie sur A. Ok. Keep your distance from the enemy. Don't try to pursue them. Ok. On va attendre là. Et lui va se faire. Ah mince. Retirez au milieu de ces arbres pour vous offre une truc utile là, voilà, dans les arbres. Okay.
Gray. You've done all you can for now. Ok. Pour ouvrir le menu, placez le curseur sur un casier et appuyez sur A. Ok. On va voir dans les options. Non, je peux pas changer. À mon avis, c'est au tout début qu'on peut choisir les voix si on a. Bon, on va laisser toutes les animations pour l'instant. Allez, venir, venez vous suicider, non? Ok, il va. Là, si j'attaque, je me fais démonter, j'imagine. Ouais. Par contre, alors, c'est écrit pas très très gros leur truc. Ça fait bizarre. Bon, on va se les taper rapidement avec lui. Hein. Donc tous les épées, lui il a forcément une lance, ouais. Donc dans tous les cas je suis désavantagé. Ok. On va faire comme ça, on va laisser faire le jeu. Moi c'est bon, mon côté j'ai chargement non stop. Au milieu de l'écran. Ah, c'est que ta connexion n'est pas assez forte. Je pense, ou t'es chez Free. Ok, là on se bat, c'est bien contre, bon là c'est normal. Hein. On peut pas, on a aucun moyen de les battre autrement qu'avec lui. Parce que justement, nos personnages ont une épée contre des lances, ça ne fonctionne pas. On regarde, hein, je lui enlève 4 points de vie, lui il m'en a beaucoup plus. C'est trop risqué. Quel mur attaque 4, 4, 5, 5, 6. Ah mais il peut pas attaquer trop loin. Bon, on va... A mon avis c'est fait exprès. On prend forcément un point de dégâts, ce que j'ai l'impression de voir en fait. Ok, on va voir ce qui se passe si on fait ça. Ok. Donc là, le classique pour l'instant. Ils m'ont presque eu. On t'a eu, il est directement. Ok, casse-toi. Une princesse qui refuse de mourir. Je pensais qu'elle allait mal se terminer le combat, comme beaucoup Fire Emblem. Mais là, les premières rames, ça pensait à votre première victoire. Bon. Sauvegardons, donc voilà. Oh, ma connexion. Ah, ma connexion. Aïe, 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 aïe. Ma connexion. Ah, qui perd. Elle meurt. Reviens. Ah non, ma connexion. Bon, après, j'enregistre en local, donc pour le reste, ça ira. C'est bon, ça revient. C'est revient dû. Ok. Look at him run, Grandpapa. So, wait. How did we do that exactly? It's all in the wrist. You wish. We only survived because we did exactly as Sir Meissen commanded. Oh, yeah? Does that mean Sir Meissen commanded you to sob like a baby? How can you guys joke about this? Grandpapa, Celica, that was great! What? You're not happy? We saved the village from those despicable knaves! We're heroes! I mean, if nothing else, we're not dead. You could at least crack a smile. You don't understand. Now that they know Celica is here, they will stop at nothing. It's no longer safe for her to stay in the village. What? But why? It doesn't have to be like that. Tell him, Celica. I'm so sorry, Om. I know that you would have kept your promise. Don't apologize, Celica. Just tell me that this is a mistake. That you don't have to go. It is already settled. And we lack the time to discuss it further.
Get back to the village and pack your things, Celica. Hurry. Yes, sir. Hold on a second! Explain this to me, Grandpapa. Why are you making her leave? I wanna know! No, my boy. I fear that's a page you can't turn. Not yet, at any rate. Oh, great. Now you're talking in riddles? Classe quand même le grand-papa, là, le grand-père. I won't let you do this to her! She needs me! You, a foolish boy who won't listen to reason? Celica has proven she has the strength to make hard choices. Yet what of you? Please, don't take her away. Would you mind looking after something for me? But this is your good luck charm. You never. C'est l'emblème du feu. Special. Yes, it is. And now it's yours. I want you to keep it close always. As close as you would have kept me. My mother gave that to me. Not that I actually remember, but... Celica, I can't take this from you. You're not taking it. I'm giving it. I pray that it keeps you safe. Take care, Alm. Wait, Celica! Well, this turned into a fine mess. We don't know why she's leaving or even where she's going. And whatever Sir Meissen knows, he isn't telling the likes of us. Hey, not everything is our business. I just feel bad for her, you know? She and Alm are different from us. Different? In what way? In every way. Are you certain, Celica? Yes. If I try to say goodbye to him, I'll just end up crying. Grandpa... Sir Meissen? Where will I go next? I have a place in mind. Perhaps it's time to call on an old friend. Under his care, I am certain your enemies will never find you. Forgive an old knight for failing you, princess. Un truc que je me dis. Ils savent que la princesse est là. Lui dit, je vais partir parce que sinon, il va y avoir des problèmes. Donc je me barre. Lui conseiller d'aller à un endroit. Le truc, c'est que le mec qui s'est fait taper avant, qui a dit qu'il reviendrait... Comment il sait qu'elle est partie? Il va forcément venir quand même, donc le village, en tous les cas, sera en danger. Autant la laisser là. Comme ça, si après, ça se fait capturer, ils seront pas venus pour rien, les méchants. Non mais oh. Had the mother willed it, I would have stayed by your side and protected you to my dying days. But I cannot leave Ram Village. Not yet. You don't need to apologize, Sir Meissen. I regret nothing. The days I spent here with you and Alm were wonderful. The experiences I had and the friends I made all mean the world to me. You don't have to be my shining knight, Sir Meissen. You just have to promise to always be my grandpapa. Of course. Celica! Alm? Celica! Alm, you came for me. I want to make a new promise. Oui. One day, when I'm older and stronger, I'm going to find you. It doesn't matter where the world hides you or how long it takes. I promise to find you. So please, don't forget me, okay? I could never forget you, Om. And I promise too. I'll be waiting for the day we can meet again. But for now, I have to go. Grandpapa? Do you think I'll ever see him again? I do. So long as destiny wills it. La réponse tout con. Si le destin le veut. Ah, qu'est-ce qui se passait? Image fixe, bug, non?